souci, c'est prévu comme ça. C'est proche ma zone. Numéro 2, monsieur Brun. Numéro 1, monsieur Dussurgeon. Numéro 3, vérifie quand même. Je remène des chaînes. Bonjour à tous, c'est Eric Dussurgeon, membre à fac du Rhône depuis 8 ans, 7 ans. Voilà, donc je chasse la bruyère avec des petits gascons sur la commune de Rajas et Saint-Julien d'Anse en Haute-Loire. Yeah.
question de la journée. À 8h06, M. Dussurgé Cédric, au lieu de les approuve, nous présente 6 gascons Saint-Angeau aux accueillis. Les chiens prennent à descendre calmement. Immédiatement, des récris se font entendre. Durant 30 minutes, les chiens vont se récréer dans les zones de gagnage de la nuit, sans trouver fuite. À 8h35, le lot traverse le chemin. 5 chiens se mettent en ordre et rapprochent. 5 minutes plus tard, en ayant franchi une haie, le rythme s'intensifie. Les 6 chiens chassent et un lièvre est vu sous la route. La menée gorgée et puissante monte au-dessus de la buvette et prend le travers. À 8h46, un premier défaut se produit dans les vergers. Les chiens se servant seuls en relève, sautent la route de Saint-Sorlin, montent, prennent les travers dans les cerisiers et perdent au-dessus des volières à 8h55. Le conducteur recolle et durant 45 minutes va s'appliquer à travailler le défaut. Un temps gêné par les lapins, le conducteur rappelle et ira faire les arrières. À 9h43, de retour au bois du débat, les chiens se récrient et relancent. 2 minutes plus tard, le lièvre saute dans la route et vue et prend le travers au-dessus de la buvette, bien emmené par le lot. Le lièvre ressaute de la route au cimetière, puis monte. Les chiens arrivent en crête et lancent un nouveau lièvre à 9h57, photo du gîte à l'appui, qui mettra un terme au jugement. Nous avons apprécié des chiens très gorgés et bien aux ordres. Bravo à vous. Bon, moi, Sébastien Brun, je viens de la commune la plus au sud de la Drôme, en limite du Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence. Thank you.
pour sa première participation à Saint-Didier, nous présente un joli lot de 10 ariégeois. Les chiens partent en quête, ont connaissance de voix et se récrient. Aux abords du fourré, suite à quelques récris, à 10h32, un lancer explosif se fait entendre. Immédiatement vu, le lièvre, sous l'impulsion d'une menée vive, boucle au bois de la feuille et est de nouveau vu à 10h37 au lieu du lancer, butant le spectateur. Après un court défaut, les chiens relèvent et la chasse repart. Le lièvre coopératif avec juge et spectateur se fait voir de nouveau à 10h43, déboisant puis montant sous leurs yeux. La menée vive est parfaitement ameutée, va néanmoins tomber en défaut à 10h54, sous la grosse haie de cyprès. Le conducteur, bien présent aux chiens, travaille le défaut. Quelques chiens annoncent au croisement, sur un sentier, le conducteur appuie et l'ensemble du lot emmène sur le goudron au hameau devant des suites. Après un nouveau défaut, au bois de la Pinaveillon, sur ce qui nous semble... Après un nouveau défaut, les chiens reconnaissent bien et vont travailler au bout de la Pinaveillon sur ce qui nous semble être un fort longer. À 11h40, ils sont sur la route de l'Inde, en bout de bois. Le défaut est de nouveau travaillé sans succès. Sportivement, le conducteur insiste, recule, mais après quelques récris, lance à 12h13 un nouveau lièvre qui sera vu à 12h20 chasser bon train. Nous avons apprécié ce lot d'ariégeois complémentaire, parfaitement ameuté et un conducteur bien dans l'esprit fac. On peut l'applaudir. Je chasse à Saint-Didier, j'essaye de chasser principalement le lièvre. Est emmené en direction de la rivière. À la voie de chemin de fer, un chien seul prend de l'avance et emmène en direction des pieds. Le conducteur tentera en vain de faire rallier le reste du lot et 10 minutes plus tard, la chasse s'arrête. Sous les piles, 9 chiens sont repris par le conducteur et se récrient de nouveau. Et très rapidement, une chasse se forme. Les chiens montent la vallée du Petit Besançon et un chevreuil est vu débuchant en direction de Bissieux. 5 chiens à la voie emmènent la chasse dans le hameau. Le conducteur rappelle et avec un peu de difficulté réussit à en proposer un lot de 8 chiens. Il recule et entame une nouvelle quête sous la ligne. Lors de cette dernière phase, plusieurs lèvres seront lancés sans pouvoir parvenir à former une véritable chasse. Nous pouvons souligner la présence de nombreux jeunes chiens qui ne demandent qu'à progresser et mention spéciale à Clément pour sa passion et ses conditions physiques.
Alors, je découple donc 21 chiens. Le plus jeune à 7 mois et le plus vieux à 9 ans. Et pour chasser un lièvre. Il y a tous les derrière. Regarde, c'est pas beau ça. Hop. La troisième meilleure prestation du week-end est celle de Cédric Dussourget. La deuxième meilleure prestation est celle des angles de Yves Melton et Musel d'hier. Et la meilleure prestation est celle de Monsieur Brun sur le week-end.